confidentiel. Trouvez ma grosse. Ah oui, il est en train de. C'est trop grand, c'est là. Il est en train de faire un panorama autour de la table. Mais dans ce elles sont bien branchées. Il faut quand même que je la branche. Quand les clients étaient là, mais il faut que tu choisisses la main. Tu dis que tu es plus là-bas. Il faut que tu fasses un bon éclairage. Ma poule. Pas grand chose. Hein. Mais ce qu'il faut, c'est que la salle où tu te projettes. C'est vrai que. Enfin, n'empêche que je lui arrête de picoler. Parce que je vais à l'estomac, L'atelier de la Victoire, de la brasserie de la Victoire à Strasbourg, le Fernand, il y avait des problèmes, il devait y avoir, je ne sais plus exactement ce qu'il y a, un crédit énorme, toi, pour un achat immobilier, nous on fait un examen global, son truc, il avait des IRGT, ils n'acceptaient pas le crédit, ils s'arrêtaient de boire pendant 4 ans, c'était net. Thank you.
oublié, c'est le regard. Tu comme à la campagne. Et quand j'ai des copains qui débarquent, il n'y a pas 25 de marche. Ouais. Il y a un verre qui fait la soirée terminée. Un verre fait la soirée. Et un verre, bonjour les gars. Un verre est contre tout. Michael, souris. Je t'aime, tu sais. Depuis le temps que je... N'y est plus fort. Je t'aime. Tu te l'aimes bien. Je me l'aime bien, ouais, c'est ça. Et t'as fini, j'ai pour reprendre la musique. Il faut reprendre la musique, là, dès qu'il a fini le verre. Alors, j'ai fini le verre, c'est la pause syndicale. Thank you.
You will never.
Maintenant, ça fait 30 ans qu'il joue le gars. Est-ce que tu me racontes le star? Non, c'est pas l'heure, c'est tout à l'heure. L'histoire de Michael Schmibok, c'est très simple. C'est la même histoire que celle de Jerry Bell. C'est le morceau le plus célèbre dans l'histoire de Michael Schmibok. Ça s'appelle Johnny Begin. Sa petite copine, Mike. On va faire
solution. Donc le Michael Spielberg sur le solo de guitare, c'est facile, il faut compter avec moi. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok, ça marche. Michael Spielberg, are you ready? Un jour un piano tout neuf, un Yamaha, et monsieur Jimmy Bock, il est venu au Rock Life Café, et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux légèrement faire mon show de rock'n'roll?
Et il a commencé à jeter des planches. T'as pas peur qu'il te mène à la ruine? Pardon? T'as pas peur qu'il te mène à la ruine comme ça? Mais ça vaut quand même cher un piano, mais ça fait partie du spectacle de Jimmy Book. Si Jimmy Book ne casse pas le piano, je vois pas. Où est le rock'n'roll? Tu connais Jimmy depuis longtemps? Bon, une dizaine d'années, la première fois que je l'ai vu, c'était dans un petit local à Mulhouse. Et il chantait qu'en anglais, et ça m'a tellement plu, quand je lui ai demandé ce qu'il veut boire, il m'a dit « Yeah, I'm beer ». C'est là que j'étais étonné qu'il était de Strasbourg. Hein. Et depuis, Jimmy, c'est, il joue quand même avec mon beau-frère. Et voilà, et Jimmy, c'est, il joue avec son cœur, avec ses tripes, il donne ce qu'il peut, il donne le maximum. Et depuis qu'on a ouvert, il nous a quand même donné un sérieux, sérieux coup de main parce que c'est quand même un grand personnage. C'est bon pour ton chiffre d'affaires? Va te faire foutre, quoi.